Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Alors, Marois fait sa life, Marois fait sa life. Tu vas encadrer la toile et la mettre dans ton inventaire. Qui c'est qui miaule? Celle de Athéna. Ah, extraire un cellium, très bien. Tu vas continuer ta grande toile abstraite et par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait puisque Nabeshima s'est barré. On va poster une alerte concernant l'animal perdu. On verra bien si ça nous la ramène. Parce que bon, en plus, elle est sur le point de mourir, donc ce serait dommage quand même qu'elle meure loin de nous. Ce serait vraiment très triste. Du coup, Aidan, il est très triste que Nabeshima ait disparu. Hein. Oh là là, c'est des gros sanglots, ça. Hein. Bah, c'est vrai que c'est inquiétant quand un animal se barre, quoi, qu'on ne retrouve pas. Ça, mais... Pour l'instant, moi, mes chouchous, mes bébés chats, je les ai jamais perdus, ce qui reste dans l'appartement. Ils n'en bougent pas. C'est ma peur bleue qui se barre, qui s'échappe de chez moi, qui peut arriver tout et n'importe quoi. Non, non, ça, c'est impossible. Jamais. Vas-y, continue, Caleb, à jouer la sérénade. Tu vas devenir une star à force, dis donc. En plus, avec les... Oui, avec les vampires, comme ils sont pas une durée de vie, enfin, ils ont une durée de vie illimitée, ils peuvent devenir des stars mondiales fastoche, quoi. Enfin, avec le temps, on y arrive. Oh, Athéna, c'est bon, tu te calmes. Tu arrêtes. Ça suffit. Ah, tiens, Azenor a réussi à se lever. Ça va mieux, t'as plus la tête qui tourne, cocotte. Mal. Tu iras prendre une douche, ma belle. Un petit câlin, un petit minou. Oh, Athéna, mais tu me casses les oreilles! Franchement, là, je me demande si je l'emmène pas chez le veto, là, parce qu'elle me casse les coucougnettes. Oh. Ouais, attendez. Ce sont des soins aux animaux. Ouais. Ben, on peut pas. Hein. Enfin, si, on peut y aller, mais. Allez, moi, je vais y aller, même carrément. On a reçu des sous. Oh, les deux chaussures, un simflouze. Le courrier était distribué. Bon, allez, moi, j'allais chez le veto, là, ça suffit. Allez, nous voilà chez le veto. On va inscrire stérilisation. Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Bon, elle nous fera pas de bébé, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'en ai marre de l'entendre brailler dans mes oreilles sans arrêt. Dites-moi les meufs là, Mizuki Okada, et elle, c'est qui? Parce qu'elles se ressemblent vachement. Genre, vachement, vachement, quoi. Ça, c'est l'une. Et ça, c'est l'autre. Voilà, on aurait cru des sœurs jumelles, quoi. Allez, ma fifille, il a l'air de te faire couper les ovaires. Les trucs horribles. J'ai entendu parler de ta naissance sans amitié. Bah oui, bien sûr, mais ça fait un bout de temps, quoi, quand même. Oh mon dieu! Elle est rentrée dans ce truc. Ah, c'est horrible. Oh, on la voit! Oh, chouchoute. Non, c'est pas vrai. En vrai, il lui est rien arrivé à Fifi. Ah ben elle est là. Oh, elle a un cône! Voilà, Athéna est stérilisée. Signifie qu'elle ne peut plus avoir de petits. Cependant, grâce à la magie de la technologie, vous pouvez annuler cette intervention grâce à la station de chirurgie. Voilà! Bon ben, Fifi, on peut rentrer à la maison. Tu nous casseras plus les pieds à hurler tout le temps. Ah, quel pied! Oh, Nabeshima est revenue! Oh non, pas elle, hein. Et ça suffit, hein. Ça suffit, Nabé! On mettait... Oh là là, elle est dégueulasse. Tu me dis, faut pas y retourner quand même, non? Oh, il fallait y retourner parce qu'elle est pleine de puces et tout. Alors, vieille peau! Vieille peau! Elle se fait aduler par ses chats. Oh la vache. Bon. Si, si, il va falloir qu'on aille chez le veto. Attendez. Ressort de l'amour. Tu pourrais refaire des bébés ou pas? Comment est-ce que ça couplé là, machin? Attendez. Se reproduire avec Apollon. On peut toujours essayer, hein. Après, je savais pas que les chattes âgées, elles peuvent se reproduire, mais pas les Sims âgés. C'est débile. Dans ce cas-là, il faut faire une égalité pour tout le monde. Oh là là, elle est toute pleine de puces et tout, c'est dégueulasse. Alors? Oh merde, ça fonctionne en plus, eh! Dis donc. Oh! Ah bah dis! Mais pourtant ils s'aimaient plus à un moment donné, hein, je comprends pas. Bon bah écoutez, il y a moyen qu'on ait des petits chatons, encore une fois. Mais bon, je vais quand même retourner chez le veto, non? Parce que bon, comment dire, elle pue et tout.
C'est quoi toute cette musique? Ah, c'est toi qui lui faisais des câlins à accueillir à la maison. Bon, fifille! Câlin réconfortant aussi. Tiens, vas-y, fais-toi plaisir, ma belle. Nabeshima attend des chatons. Et eux, ils sont des mamans. Bon, bah, ça a été rapide, hein? Voilà, on aura des bébés dans pas très très longtemps. Ah! Bah oui, mais ça arrête plus les câlins accueil à la maison. C'est tout ce que tu nous fais comme accueil? Ouais. Bon. En tout cas, Nabeshiba est revenu. Et puis voilà, on aura des bébés. C'est super. Et on est déjà de retour chez le veto. Alors, pour bilan de santé, bah oui, parce que j'ai pas la... Je sais pas trop. Le fait qu'elle... Ah bah elle a plus de puces! Non mais je suis venue ici parce qu'elle avait des puces et tout et là elle en a plus. Non mais la blague! Ça m'agace, tiens. Oh, mais lui, il est encore là, pauvre chouchou. Va. On va attendre ce qu'ils disent pour le bilan de santé. Allez, c'est parti. On va voir de quoi il retourne pour la petite Nabeshima. On va voir si tout va bien. Elle avait des puces, elle en a plus. C'est nul, hein, franchement. Ah bah! Elle a fait une gerboise. Piqûre préventive. Ah bah oui, je sais. J'ai pas vu ce qu'elle avait, mais bon. Elle a fait quand même une petite gerbouse et puis tout va bien en fait. Voilà, on va dire que c'est les nausées matinales, hein. Et que Fifi, elle attend des petits chatounets. Bon, bah c'est cool, on va pouvoir rentrer à la maison du coup. Bon, on est de retour à la maison avec tous nos chenapans de chats. Et puis on va voilà, à la galerie au bout d'un moment parce que il faut bosser aussi de temps en temps. Et nous voilà, la boutique, je l'ai légèrement agrandie, comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus de place ici, du coup j'ai... Ah, oh, c'est pas vrai. J'ai remis un truc ici. J'en ai marre des entendre chanter sans arrêt, c'est pas possible, ils s'arrêtent jamais. Bon, tu vas sortir tes toiles, t'en as pas fait beaucoup. On va la mettre là, hop. Tu vas définir en étant à vendre et tu vas mettre là... Définir en étant à vendre. Ah, bah si, normalement, t'en as encore deux petites. Punaise, y a tellement de trucs. Ouais. Super, tu vas en mettre une là. Hop! Non, pas une copie. Non, non, non. Tu vas définir en étant à vendre. Maroie, tais-toi. Et hop, en étant à vendre. Allez, comme ça, on est prêt. Et on va ouvrir la petite boutique. On sait où c'est ici. Ouvrir. Voilà. Et Calebout, tu vas pouvoir t'occuper de tes plantes. Ah bah, t'as pas besoin de t'en occuper, en fait. Super. Bah, tu vas créer une composition. Marguerite. Marguerite, voilà, ça, voilà. Très bien. On va attendre les clients. Ça discute, ça marchande, ça fait. On va essayer de répondre, faire de ce qu'il faut, quoi, pour vendre. Faudrait que tu vendes tes vases, mon petit Caleb, parce que là, on n'en a pas vendu des masses, hein, puis en plus, ils pourrissent avec le temps, donc ce serait cool si tu en vendais quelques-uns. Un client! Un client! Un client! Il est là. Caleb, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Je sais. Ah, il doit acheter celle-là. Qu'on a fait tout à l'heure. Il a envie de draguer de la meuf, lui, hein, dans ce cas-là. Ouais, pourtant, t'es pas mal, hein, mon go. Tu peux. Quel choix, quelle qualité! Marois, arrête tout! Non, tu vas pas encaisser. Tu vas encaisser elle. Voilà, ça va aller mieux. Et puis arrête de grogner, ce serait sympa aussi. Deux clients en même temps! Youhou! 925 Simflouz. Et ici, nous allons prendre. Elle a 733, donc elle va être un peu plus. Ça va être à peu près la même chose, quoi. Compétence 4, fitness pour Azenor et 916 Simflouz. Cool. Elle est sur le point de craquer. Donc tu lui parles encore une fois et je crois qu'elle achète, hein. Elle est prête là. Allez, vas-y, achète, madame, achète. Ouh, un chef-d'œuvre pour Marois. Cadrer la toile, il vaut combien? 1495. Ah, c'est pas mal. Ouais, tu vas le mettre. Oui, bah, tu vas le mettre. Attends. De l'autre côté. Complicado. Muy complicado. Là, petit chef-d'œuvre ici.
Alors, elle a toujours pas craqué, elle? Ah, vas-y, conclue la vente. Arrête de parler aux plantes et tu conclus la vente avec. Et bah voilà, ça y est. Elle a craqué, elle a craqué. Elle va prendre celle-là. Vas-y, va lui encaisser l'argent. C'est top. Calibou, tu continues à faire l'argumentaire, s'il te plaît. Et ça devrait aller, devrait vendre. Ouais, il est déjà 22h, ouais. Ouais, on va peut-être pas les garder toute la nuit non plus, hein. C'est parce qu'on est des vampires que. Voilà, quoi. 735 simflouze, cool. Quel choix, quelle qualité! Oui! Mais pourtant, je m'y attendais pas à celui-là. Hein. À ce qu'il achète. Je pensais que c'était lui qui était le plus près de d'acheter, mais en fait, non. C'est bien. C'est notre ancien voisin, je crois, celui-là. Ouais. Ou fils de notre ancien voisin. Enfin, bref. Mais c'est marrant ce qu'ils achètent que les toiles les plus récentes, j'ai l'impression. Oh, bah non, il y en a un autre qui a accès. Oh! C'est cool, on va encaisser ça. Et puis, c'est bon. Hein. 538 simflouze. Allez, vas-y, va encaisser l'argent du client. Encaisser l'argent, encaisser l'argent. Encaisser l'argent du client. Encaisser l'argent, encaisser l'argent. L'argent du client content. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Non, on sort pas. Peut-être qu'elle a accouché 1355. Ça, c'est cool. Et on va fermer la boutique. Allez, au revoir. On a eu pour 4469 simflouz. C'est moins que la dernière fois, mais bon, on va pas se plaindre. On a quand même bien bossé. On a bien gagné notre vie. Si on avait que ça, effectivement. Mais on a les livres, on a tellement de choses. On est tellement plein aux as, quoi. C'est tranquille, la vie. Tu l'as fini, ta toile là-bas, Marouate? Eh ben, c'est très bien, tu sais quoi, tu vas la mettre là et tu vas la mettre à vendre. Et on rentre à la maison. Oui, ça y est, Rieko a accouché. Et c'est une fille encore que Gaston et Rieko ont eu. Voilà, je vous montre avec notre décédé Jean-Kévin et sa femme Anaya. Et Gaston et Rieko ont donc deux filles. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit le cube du futur? L'inspiration viendra bientôt à vous. Bah, oui, d'accord. Bah, c'était que ça, on le savait déjà. Hein. Bon, tu vas refaire une toile? Une toile colérique, tiens. Ça changera un peu. Oh, il est dimanche 1h du matin. Mais bien sûr, nos gosses sont plutôt en bonne forme. Mais mange-toi! Tu manges pas? Tu veux pas manger Ouais, elle a rien pour manger. Mais si, t'as des fruits, là. Tiens, mange un plasma fruit. Ça va, les minous? Oh, lui, il a peur de la télé, chouquette. Bon, la ténor s'exerce un peu à l'archéologie, là, à trouver des trésors omnisquins. Aiden, il s'occupe de sa petite vie. Calebou, il écrit un nouveau livre. Vous voyez qu'il commence à monter tout doucement. Sur l'échelle de la célébrité. Et Marouate nous fait une toile. Oh, elle est magnifique, dis donc. Oh, j'adore, j'ai jamais vu cette illustration-là. Elle, au niveau, par contre, elle est inconnue, quoi. La galerie ne fait rien du tout pour ça. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est magnifique. Allez, hop, dans l'inventaire. Et puis on la vendra. Après, peut-être que pourrait la faire devenir célèbre, hein, Marouata, hein, mais il faudrait pas qu'elle les vende. Enfin, faudrait pas qu'elle les vende à la galerie, qu'elle les vende comme ça tout de suite. Je pense que ça monterait très très vite. Eh ben, bravo, Zenor! Eh ben, c'est super, tu vas le mettre dans l'inventaire. Voilà. Oh, bah, t'étais motivé, fort tes devoirs! Bah, tu vas les faire. Allez, vas-y. Franchement, ne t'arrête pas en si bon chemin. T'es peut-être une rebelle d'apparence, mais au final, t'es très intelligente et tout ça, quoi. T'as tout ce qu'il faut, où il faut. Surtout dans la tête. Il y a mes mères qui sait pas ce qu'elle veut, là. Elle m'a fait fille. Ah bah, rien. Ils sont là avec sa fille et tout, bref. De toute façon, il n'y aura qu'un seul chaton, puisque on n'a plus de place. Un seul chaton, ce sera bien suffisant, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, ah oui, t'as fini ta toile. Je pensais qu'elle allait attaquer sa fille, mais non, heureusement. Elle est trop belle, la toile impressionniste moyenne, c'est dans les ruines et tout. Ah non, c'est trop joli. Ah, c'est trop mignon. Tu peux l'encadrer
Et parce que si on va la vendre à un collectionneur, comme ça on verra si ça fait augmenter très peu, mais au moins ça fait augmenter quoi. Terre impressionniste, tu vas m'en faire une grande à 106 flouzes. Et puis voilà quoi. De toute façon, là il commence à faire tôt le matin. Caillebout, il continue à écrire. Il va devenir une star bientôt. Elle a fini ses cours, enfin ses devoirs. Tu vas peut-être être couché, toi. Hein. Faut que tu gardes un semblant de vie de lycéenne. Ah! On est en hiver! Ah bah zut alors, c'est déjà l'hiver. Pourtant, on n'y est pas encore dans la vraie vie. Mais dans les Sims, on y est. Enfin, du moins avec Marwa, quoi. Caleb a terminé un livre. On va pouvoir le mettre. À vendre un éditeur. Allez, qu'on voit au niveau de sa notoriété. Oh, et ben voilà, il a une étoile, vedette débutante pour Caillebout. Mais non, c'est trop drôle. Ah, c'est cool, on peut monter facilement. Peut-être qu'on sait plus rapide de monter avec monter ses étoiles avec la carrière d'auteur que la carrière d'acteur, qui sait. En tout cas, pour l'instant, c'est sympa. Bon, bah et moi c'est là-dessus que je vais vous quitter, hein, Marwa entouré de ses animaux, de ses chatounettes. Dans l'épisode prochain, Nabeshima mettra bas à son petit chaton. Ouais, on verra bien. Oh, un chef-d'œuvre! Oh, bah attendez, on va le vendre à une galerie d'art. Est-ce qu'elle va devenir aussi célèbre? Pas trop. Moins quand même que Caillebout. Bon allez, moi c'est là-dessus que je vous quitte. Ah! Eh ben, on va garder ça pour le prochain épisode. Allez, je vous embrasse, salut!